cette escale obligée de votre itinéraire Rome-Lekai me fournit l'occasion de vous présenter mes hommages personnels avec ceux de tous les membres de la communauté de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Je remercie chaleureusement Monsieur le Président de la République et sa prestigieuse délégation pour cet accueil grandiose qu'ils nous ont réservé en ce bel aéroport devenu une fierté pour tous les Haïtiens. Avec mes collaborateurs ici présents, je veux vous assurer de mon affection sacerdotale, comme elle a toujours été vécue depuis ce mémorable 22 septembre 1991, jour de votre ordination à la prêtrise à l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de la vallée de Jacmel. Pour ceux qui sont ici présents avec vous, et pour tous les autres, vous êtes Monsieur le Cardinal Langlois. Mais pour moi, vous demeurerez toujours ce même Monseigneur Chib, un ami, un frère, dans toute l'acception de ces termes. Bravo, accompliment pour Diocèse Okaï. Bravo, accompliment pour vous, ou même frère moi, Monseigneur Chibli. Une histoire marquée par plus d'un siècle et demi de relations avec le Vatican, qui a été le tout premier État, je ne peux m'empêcher de le souligner, à nous accompagner dans la douloureuse quête de reconnaissance par la grande famille des nations. Éminence, à un tournant décisif de notre histoire de peuple, vous nous êtes revenu auréolé de la pourpre cardinalis. Je remercie une fois de plus, en mon nom propre et en celui du peuple haïtien, Sa Sainteté, le Pape François, qui, dans sa grande compassion et son affection pour Haïti, a été inspiré par le profond besoin d'espérance de tout un peuple qui a toujours fait preuve de sa capacité à affronter l'adversité. Ce tournant décisif de notre histoire, dis-je, marqué par votre médiation, empreinte de sérénité et par la quête de la vérité, par le dialogue authentique, ne peut que bénéficier de cette auréole qui fait tant la fierté de nos concitoyennes, de nos concitoyens. Éminence, aujourd'hui, jour d'intense joie et de ferveur de tout un peuple, rassemblé dans la communion autour de vous, les nuages de la division continuent de s'accumuler au-dessus de nos têtes. Je me réjouis ce matin avec le peuple haïtien, de vous accueillir sur cette terre nôtre qui a vu éclore votre vocation jusqu'à votre consécration à Rome le 22 février dernier comme membre du Sacré Collège des Cardinaux. Je fais le souhait que votre cardinalat s'enrichisse au fil du temps d'espérance renouvelée et de foi affermie de millions de fidèles, plus particulièrement des jeunes en quête de repères et de boussole. Je me permets d'être ici l'écho de cette intense ferveur vécue ensemble dans la communion avec le Saint-Père lors des cérémonies de création de vos pères à la basilique Saint-Pierre. Ferveur amplifiée par la profonde émotion de nos compatriotes, toutes confessions religieuses confondues, d'être témoin de l'événement historique que constitue votre création par le pape François comme le premier cardinal de notre histoire. Je suis tout à fait conscient qu'il nous faut redoubler d'efforts et de persévérance pour que ne se perdent les acquis du dialogue initié le 24 janvier entre nous, de la même terre, de la même histoire. Je suis convaincu qu'avec votre accompagnement et vos prières, nous arriverons dans les prochains jours à concrétiser le premier pas vers le pacte du vivre ensemble, si indispensable au mieux-être du peuple haïtien. J'y consacrerai le meilleur de moi-même. Bon Dieu, remet Haïti. Que le Seigneur bénisse toujours Haïti. Je suis très fortement touché par ces marques d'affection fraternelle
et de solidarité nationale manifestée envers ma personne à l'occasion de mon retour de Rome après avoir été créé cardinal par Sa Sainteté le Pape François. Ces expressions de joie et de générosité disent éloquemment toute la confiance placée en moi et tout ce que l'Église locale d'Haïti, le pays, espère de cette dignité à laquelle je viens d'être élevé. D'abord, je voudrais exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de Son Excellence Monseigneur l'Archevêque Monseigneur Guillaume Poulard et ses auxiliaires, des membres de son clergé, de ses fidèles, tous ceux qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie d'accueil émouvante. Excellence Monseigneur Guillaume Poulard, la solidarité ecclésiale et épiscopale que vous exprimez par votre présence ici me va droit au cœur. Le Père fidèle que j'ai aimé est le même qui m'accueille aujourd'hui comme pasteur ici, alors que je m'apprête à retourner dans mon diocèse pour reprendre la vie ordinaire de mon engagement pastoral. Je suis très honoré que le président de la République daigne se déranger pour venir s'associer à cet accueil ecclésiastique. Monsieur le Président de la République, permettez que je vous exprime ma gratitude pour cette marque d'honneur. C'est un signe clair de la parfaite harmonie qui peut et doit exister entre l'Église et l'État. Si mon humble personne peut servir de ciment à ce noble projet d'unité et d'harmonie, de vérité, sachez que je n'épargnerai aucune peine en vue de cela. Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci pour cette marque d'estime et de sympathie. L'honneur d'être cardinal de la Sainte Église de Rome est une grâce, mais aussi une grande responsabilité. Je m'y appliquerai avec la patience et l'assiduité nécessaires pour le bien commun national. Messieurs les officiels de l'État, du gouvernement, de l'Église particulière de l'archidiocèse de Port-au-Prince, je vous redis ma gratitude pour avoir laissé vos activités pour nous rendre disponibles, vous rendre disponibles ce matin. Merci à tous pour les efforts déployés en vue de cette cérémonie. Je n'oublierai pas cette grande délicatesse de votre part. Mesdames, Messieurs, votre cardinal est là. Il revient de Rome avec la même disponibilité à vous servir en servant son Église des Cailles, en servant l'Église d'Haïti, en servant le pays et partout où le pape et les circonstances l'appelleront. Merci à vous tous de l'accompagner par la prière. Vous savez très bien que j'ai beaucoup besoin de vos prières, de l'accompagner par les encouragements au long des prochains rendez-vous que l'histoire va nous offrir. En terminant ce mot de gratitude, je dirais que construire un pays est la tâche de chacun et de chacune de ses enfants. Comme haïtiens et haïtiennes, ayons plus de confiance en cet avenir que nous devons forger ensemble, et nous pouvons le faire. Il suffit d'avoir confiance en nous. Le pays autre que nous voulons et qui peut nous rendre fiers n'émergera pas sans sacrifice. Frères et sœurs, en la patrie commune, engageons-nous ensemble à nous accorder pour débloquer la vie socio-politico-économique de notre pays. Le dialogue doit se poursuivre. Sans cela, nous n'aurons pas la paix. Et sans la paix, le développement est impossible.
œuvrons ensemble en ce sens. Que le Seigneur bénisse et protège Haïti et ses enfants. Que Notre-Dame du Perpétuel Secours soit notre patronne et intercède pour nous. Merci et merci beaucoup.